Le rire provoque en fait une décharge de dopamine dans le cerveau. La dopamine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur, autrement dit, une substance qui passe de neurone en neurone. Quand la dopamine se répand dans le cerveau, on éprouve une sensation de plaisir intense. Quand on rit, le cerveau sécrète également des endorphines, c'est un antidouleur. Cette hormone passe dans le sang et agit sur tout le corps. C'est la raison pour laquelle, après avoir ri aux éclats, on se sent si bien et comme relaxé. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des sensations, le rire est également bénéfique pour l'organisme. Quand on rit, le cœur bat plus vite, le sang circule donc mieux, les toxines sont alors mieux éliminées. Quand on rit, les poumons se vident et se remplissent complètement. Certes, il y a davantage de bactéries qui pénètrent dans l'organisme, mais on produit aussi davantage de globules blancs qui, à terme, vont assurer une meilleure protection. Et je ne vous parle pas des abdominaux qui se contractent et qui massent le ventre, ni de la digestion qui est stimulée. Bref, rire, c'est bon, à condition que les muscles du sphincter ne se décontractent pas trop, sinon, il peut y avoir des fuites. Eh oui. Ouh là là, pipi.